À l'un de l'actualité, le président du Gabon entame ce matin une visite d'État de 2 jours en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien à l'aéroport de Yamoussoukro. Première étape de cette visite et demain, ce sera l'étape d'Abidjan. Le 15e sommet de la francophonie s'ouvre ce samedi à Dakar, la capitale sénégalaise. Enjeu principal, l'élection du successeur d'Abdou Diouf, le nouveau secrétaire général de l'OIF sur 11 candidats en lice. Et puis un mot de mode dans ce journal avec un focus sur le bazin, aujourd'hui symbole d'élégance dans de nombreux pays africains. Les origines de cette étoffe tout à l'heure. Merci d'être avec nous et bienvenue dans le 13h sur RTI1. Le président gabonais Ali Bongo est arrivé ce mercredi sur le sol ivoirien. Il a été accueilli par son homologue ivoirien à l'aéroport de Yamoussoukro, la capitale politique. Alassane Ouattara avait quitté Abidjan ce matin et les deux hommes sont attendus dans la capitale économique demain jeudi. La visite de 2 jours va être sanctionnée par un communiqué conjoint des deux chefs d'État. Le président gabonais s'est exprimé tout de suite à son arrivée en terre ivoirienne. Il a notamment tenu à dire merci pour son accueil chaleureux. On l'écoute. Un sentiment tout naturel que d'arriver chez moi avec un accueil extrêmement chaleureux, un temps qui est vraiment clément et vraiment toute cette chaleur que j'ai ressentie. Et vraiment, c'est un retour pour voir d'autres membres de la famille. Et je suis vraiment très content d'être là et vraiment je remercie Monsieur le Président, le gouvernement et tout le peuple ivoirien pour cette invitation et surtout déjà ses premières impressions et ses premiers pas sur le sol ivoirien qui ont été vraiment très chaleureux et qui ont été marqués une émotion, d'autant plus que certaines personnalités qui m'ont accueilli me rappelèrent qu'elles furent là il y a un certain nombre d'années pour accueillir quelqu'un dont je porte le nom. Merci, merci. Un conseil des ministres s'est tenu hier mardi au palais présidentiel d'Abidjan. Il en ressort des décisions d'ordre social, économique et organisationnel. Il a aussi été question du décret portant interdiction de l'utilisation des sacs plastiques en Côte d'Ivoire. Awatouré. Deux importantes mesures à caractère social ont été prises par le conseil des ministres hebdomadaire qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Ainsi, le gouvernement va soumettre aux députés un projet de loi définissant de manière précise le statut de pupille de l'État, c'est-à-dire le cas des mineurs pouvant bénéficier de la prise en charge de l'État. Les personnes concernées sont les enfants ou les personnes ayant un âge entre 0 et 18 ans. Il s'agit notamment des enfants abandonnés, des enfants de parents toxicomanes ou atteints de troubles psychologiques, des enfants de mères incarcérées ou décédées en couche, des orphelins de père et ou de mère, des enfants trouvés et des enfants dont le père ou la mère sont dans l'incapacité de faire face à leurs obligations parentales ou ont été déchus de l'autorité parentale. Et puis le dernier groupe, c'est les enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui peut mettre en danger leur vie. Donc dans tous ces cas-là, l'État peut recueillir ces enfants et leur apporter toute l'assistance dont ils ont besoin pour grandir normalement. Le gouvernement va aussi présenter un projet de loi toujours devant l'Assemblée nationale pour punir sévèrement les réseaux de proxénètes et tous les autres réseaux qui pratiquent la traite des personnes. Le gouvernement inclut dans cette sanction le mariage forcé, considéré aussi comme un cas de traite des personnes. Ici, il s'agit de traite des personnes, donc d'une personne qui utilise une autre personne ou un groupe de personnes pour atteindre des objectifs qui peuvent derrière avoir peut-être des intérêts financiers, etc. Un père de famille n'a pas le droit de marier de force sa fille. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le mariage doit être une décision prise par la personne qui est concernée. Voilà. Donc il s'agit là de lancer ce message-là à toute la population en disant désormais, voilà ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le mariage. Qu'il n'y ait plus de mariage forcé. Mais si la personne décide d'elle-même d'y aller, j'allais dire, elle n'a pas été forcée, donc il n'y a pas de traite. Parce que dans certains cas, malheureusement, il y a une vraie traite.
derrière la décision de mariage. Ce n'est pas une décision désintéressée du père. Ne pensez pas qu'il le fait par amour pour sa fille. Dans beaucoup de cas, il le fait par intérêt. Et cela est su. Donc il s'agit d'une décision qui va permettre, nous l'espérons, de traquer ce type de cas. Le Conseil des ministres a décidé la mise en œuvre effective à partir de ce mardi 25 novembre 2014 de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. Le décret pris en mai 2013, l'effectivité de la mesure avait été reportée à plusieurs reprises. Cette décision, ce n'est pas une décision pour faire plaisir au gouvernement, ce n'est pas une décision pour faire plaisir aux institutions internationales. C'est vraiment une décision pour protéger nos populations. C'est le message qu'il faut absolument que chacun relaie. Il s'agit d'une mesure de protection de nos populations. Nous souhaitons que cela soit compris. Évidemment, les mesures de coercition vont s'appliquer avec toute la rigueur de la loi. Mais dans le même temps, le ministère en charge de l'environnement continuera de discuter avec toutes les parties concernées pour atténuer les effets négatifs que pourraient subir certaines des parties prenantes. Le Conseil a en outre accordé l'aval de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 10 milliards de francs à la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire pour l'achat de 2 avions bombardiers qui assurent la desserte des lignes intérieures et a adopté 3 décrets pour permettre au secteur touristique national de renforcer sa compétitivité en mire triplée à l'horizon 2020. Le chiffre actuel de 300 000 touristes annuellement pour atteindre le record de 1 million de touristes par an. Le 15e sommet de la francophonie aura lieu du 29 au 30 novembre prochain à Dakar, au Sénégal. L'élection d'un nouveau secrétaire général est un des points principaux de la rencontre. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Abdou Diouf, le secrétaire général sortant de l'OIF. Gabriel Zani revient sur ces enjeux de ce 15e sommet de l'OIF. Depuis longtemps, la francophonie a été le creuset des cultures lors des grandes rencontres. De l'Europe au Québec, en passant par l'Afrique et les Antilles, l'espace francophone a tissé sa toile au cœur des civilisations. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les choses ont bien changé. D'autres langues interviennent, l'anglais, l'espagnol, le mandarin, l'arabe. Le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Il faut donc garder le français, le protéger. Les assises de la francophonie qui sont ouvertes à Dakar au Sénégal par le village de la francophonie, les rencontres institutionnelles vont définir de nouvelles perspectives à l'organisation de défense de la langue française. Ce sommet va consacrer officiellement le départ du président Diouf, du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc on va avoir normalement un nouveau secrétaire général au soir du 30 novembre 2014. Donc en tant que tel, c'est une nouvelle personnalité, c'est tellement une nouvelle vision qui va donc, je vais dire, être à la tête de la francophonie. Et justement, en termes de vision, ce sommet va consacrer l'adoption du cadre stratégique 2015-2022. Au-delà de l'aspect culturel mis en avant, l'OIF, avec les 57 pays qui la composent, veut être une organisation qui intègre désormais les questions économiques, d'où le thème retenu pour ce 15e sommet de Dakar. Le thème de ce sommet 2014, est Femmes, jeunes en francophonie, vecteurs de paix et de développement, permet donc de comprendre un peu la philosophie nouvelle de l'OIF, qui est de s'appuyer sur ces deux forces vives-là, de tout État, qui permet donc non seulement d'assurer la cohésion, la stabilité, mais également d'assurer un développement durable. Soutenir les jeunes et les femmes leviers d'un développement et d'un avenir certain pour la langue française est le nouveau défi de l'OIF. Pour cela, les institutions des pays francophones doivent impliquer la société civile. Les assises de Dakar vont donc définir une nouvelle stratégie en matière de développement économique et de politique de stabilité de l'espace francophone, surtout en Afrique, qui compte le plus de locuteurs francophones. Et la 93e session du Conseil permanent de l'OIF s'est ouverte hier sur place à Dakar. Elle intervient 4 jours avant la tenue du 15e sommet de l'organisation.
Ce mardi 25 novembre, au Centre international de conférences de Dakar, dans cette salle fermée à la presse, s'est déroulée la 93e session du Conseil permanent de la francophonie, CPF. Sous la présidence d'Abdou Diouf, le secrétaire général sortant de la francophonie. À l'ouverture des travaux, il a fait le bilan de ses 4 mandats consécutifs à la tête de l'organisation depuis son élection en 2002. Un bilan unanimement salué car jugé positif par tous les représentants spéciaux des chefs d'État des pays membres de l'organisation. Mais ces assises préparent et facilitent les travaux des chefs d'État et de gouvernement. La réunion du Conseil permanent fait suite à une série de rencontres préparatoires où ont été abordés des sujets importants et plus récents comme la transition au Burkina Faso et un peu plus loin, la résolution de la crise malienne. D'autres questions politiques telles que la résolution des conflits internes aux pays francophones, la préparation des élections présidentielles, la lutte contre la menace du terrorisme en zone subsaharienne et bien d'autres sujets d'ordre économique comme l'appui aux initiatives des jeunes et des femmes ont été discutés. Le Ghana et le Nigeria participent aussi à ces rencontres en tant que pays observateurs. TV5 Monde et la RTI entament un nouveau partenariat. Il concerne la diffusion d'un téléfilm ivoirien intitulé « Lesbrouteurs.com », une série télévisée qui traite de la cybercriminalité, un sujet d'actualité. Christelle Ménant. La série à succès Brouteurs.com, au cœur d'un partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et la chaîne francophone internationale TV5 Monde. Africa Web Festival, ouvert ce lundi 24 novembre à Abidjan, a été l'occasion pour les deux parties d'annoncer la nouvelle. Nouvelle confirmée le jour suivant, lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan. Le partenariat porte sur la deuxième saison de la série ivoirienne Brouteurs.com. Brouteurs.com saison 1 a déjà été diffusée sur la première chaîne de la RTI et la Web TV Afrique de TV5 Monde. C'est notre plus beau succès de la Web TV Afrique puisque ça a plus de 800 000 vidéos visionnées. Et là, ça prend encore une dimension tellement plus forte justement avec la RTI et on s'est dit que c'était un beau projet et c'est vraiment l'occasion de pouvoir renforcer nos liens et pouvoir mettre en avant un beau produit de la production africaine. Les séries africaines glanent de plus en plus de public à l'international, un succès que TV5 Monde Afrique et la RTI entendent accroître mais surtout accompagner. La deuxième saison est coproduite par la RTI, distribuée par RTI Distribution et sera diffusée par les deux chaînes. On espère vraiment donner la visibilité maximale à ce programme. En s'associant à TV5 Monde aujourd'hui, nous misons vraiment sur un public de plus en plus vaste pour la série. Dans cette optique d'internationalisation finalement pour les productions audiovisuelles ivoiriennes, je pense réellement que ce partenariat prend tout son sens. Le succès de la série Brouteurs.com confirme par ailleurs la transversalité du sujet, la cybercriminalité. Autre objectif de ce partenariat donc, sensibiliser sur ce fléau, une mission que s'assignent aussi ces deux médias de services publics. La Côte d'Ivoire perd plus de 3 milliards par an. Et que la Côte d'Ivoire est blacklistée, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'opération sur Internet, une opération financière sur Internet, telle que même un compte Yahoo, ouvrir un compte Yahoo, un compte de correspondance, c'est impossible. Alors ce sont ces faits-là qui m'ont poussé à aller vers ce sujet de la cybercriminalité. Il fallait envoyer l'information, la vraie information à notre jeunesse parce que malheureusement la cybercriminalité touche notre jeunesse. Brouteurs.com plonge les téléspectateurs et les webtateurs dans l'univers des cybercriminels communément appelés brouteurs en Côte d'Ivoire. La saison 2, actuellement en tournage, comporte 26 épisodes de 26 minutes. C'est une série 100% ivoirienne produite par Aquaba Film et Nid de Star, avec le soutien notamment de l'Agence ivoirienne de régulation des télécommunications ARTCI, de l'ambassade de France et du ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. 8 pays d'Afrique occidentale et centrale sont réunis à Abidjan pour bénéficier des technologies françaises dans le secteur de la météorologie. Pendant 2 jours, ces pays participants vont échanger mutuellement leurs expériences et surtout bénéficier de l'expertise des entreprises françaises venues spécialement apporter leur savoir-faire et aussi des équipements de pointe. Ben Touré, Hamza Diaby. Désertification, sécheresse, inondation.
Quel autre continent, plus que l'Afrique, est menacé par ces catastrophes naturelles? Pour les prévenir, des équipements d'observation météorologique à la pointe de la technologie sont plus que nécessaires. 8 délégations des pays de l'Afrique occidentale et centrale et une vingtaine d'entreprises françaises expertes en équipement, en système, en consulting et en services météorologiques séjournent à Abidjan. Un colloque les réunit pour 2 jours afin d'optimiser leurs services d'alerte et d'observation météorologique. Ce colloque permet les nouvelles méthodes et la façon d'apporter un meilleur service météorologiques aux populations et au secteur économique. Il s'agit en fait de proposer un meilleur service aux populations, aux usagers, dans le cadre par exemple du changement climatique, dans le cadre de l'assistance à l'agriculture, dans le cadre de l'assistance aux inondations, aux risques d'inondations. D'ordinaire, chacune des directions nationales des pays envoie ses données au Centre international de la météorologie. C'est donc l'une des rares fois que les acteurs se rencontrent. Parce que ça nous permet également, nous, des services météorologiques, de discuter, de voir les problèmes que nous avons et de voir également quelles sont les solutions offertes par les structures françaises. Nos services météorologiques n'ont pas la maîtrise des nouvelles technologies d'information. Et voilà pourquoi nous nous réjouissons de ces colloques. Des instruments de télédétection, des instruments pour les services météorologiques aéroportuaires, des systèmes de radiosondage GPS. Ce sont là les quelques technologies de pointe dont pourraient bénéficier les pays présents à cette conférence régionale qui referme ses portes ce mercredi. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, forme une 60aine de personnes aux métiers de la coiffure, de la couture et de la soudure. Après 36 mois de formation, ils sont tous aptes à exercer et à se prendre en charge. Ils ont donc reçu du matériel professionnel pour s'installer à leur propre compte. Doigt des lasers. Des machines à coudre, des caisses à soudure et des matériels de coiffure sont entre autres les dons offerts par l'ASMU, Action sociale en milieu urbain, aux apprenants du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP INADES. Ils sont au nombre de 60 jeunes composés de filles et de garçons, formés au métier de l'artisanat et de l'esthétique, prêts à affronter le marché de l'emploi. Un soutien matériel pour leur permettre de se prendre en charge financièrement. La lutte contre la pauvreté ne peut se faire que par l'éducation, la formation et l'amélioration de la compétence technique et en même temps de l'alphabétisation. Le secteur de l'artisanat est un réel gisement d'emploi pour les jeunes et que même si certaines formations courtes peuvent donner de l'argent rapidement à un jeune, avoir un métier permet de gagner sa vie de manière durable et d'avoir un revenu décent. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation. Je suis très content d'avoir reçu le matériel de la ferronnerie du soudure. Je vais essayer de me doubler un peu pour faire mon atelier. J'ai reçu une machine à coudre, plus un moteur, je vais m'installer, avoir un compte pour moi-même. Des diplômes de formation ont été également remis à plus de 40 apprenants en fin de formation dans divers domaines d'activité. L'action sociale en milieu scolaire, ASMU, est une structure du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP INADES, qui assure chaque année la formation professionnelle de 300 jeunes démunis dans divers métiers de l'artisanat en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. 2500 kits alimentaires ont été offerts aux populations de Port-Boué. Il s'agit des personnes déguerpies du littoral dans le cadre de l'assainissement de cette commune. Et c'est un don du chef de l'État ivoirien, Herman Yamia. Des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des cubes d'assaisonnement et du savon. Le tout d'une valeur de 20 millions de francs CFA. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux personnes déguerpies du littoral de la commune de Port-Boué. Le chef de l'État au plus haut sommet a décidé donc de faire ce don symbolique pour vous dire que vous n'êtes pas délaissé pour compte. Le maire de Port-Boué, Hortense Akangu, salue ce geste. Selon elle, il vient soulager les déguerpies. Nous voulons demander à nos autorités de prêter une oreille attentive et de faire de telle sorte qu'au niveau des les choses reprennent et que ce dont les populations ont droit, qu'on puisse le leur. La deuxième préoccupation qui est la nôtre, il s'agit de sites de recasement de ceux et des villages qui sont restés sur place.
L'opération de dégrappissement des populations du littoral de Port-Boué s'inscrit dans le cadre du plan d'assainissement des villes ivoiriennes décidé par le gouvernement. Quelle réforme pour la corporation de secrétaire? Quelle est l'identité même de la secrétaire? Pour répondre à ces questions, un colloque international sur les sciences secrétariales se tient en ce moment même à Abidjan. Grâce Kando pour le point de cette rencontre sous-régionale. Le métier de secrétaire au niveau de l'exécution des tâches administratives autrefois consistait, hormis l'accueil, le téléphone et le classement, à prendre des notes en sténo, à taper à la machine et produire des documents pour un patron. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC, cette pratique est révolue. Secrétaire, assistant et attaché de direction épouse cette nouvelle ère à travers des formations, d'où la tenue de ce deuxième colloque international autour du thème « Le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation ». Ce deuxième colloque est une plateforme d'excellence, d'échanges professionnels et de réflexions intellectuelles de haut niveau entre les professionnels du secrétariat d'une part et les experts du domaine du secrétariat. Le tandem patron-secrétaire est une méthode de travail mutuellement avantageuse pour l'entreprise et l'administration. C'est pourquoi je vous prierai, cher patron, de programmer des formations à notre bénéfice. Ce colloque réunit plusieurs pays d'Afrique et ce sera l'occasion de mener des réflexions sur la réforme de la formation initiale des secrétaires et l'identité de la corporation des secrétaires. Avant, peut-être, les relations étaient tendues parce que la personne qui occupait ce poste n'était pas diplômée, n'avait pas eu la formation académique qu'il fallait. Donc, il y avait tout le temps des débrouilles. Bon, maintenant que nous sommes formés, que nous avons le niveau, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, je pense que l'assistante est assez responsable pour pouvoir occuper sa place. Plusieurs conférences sont au menu de ce deuxième colloque international, notamment la gestion du relationnel et la gestion électronique des données et du courrier. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre à Yakassé-Féassé, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'événement vient d'être célébré. Sensibilisation et information des populations sur les droits de l'enfant ont marqué cette date. Honorine Aligori. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de l'enfant à Yakassé-Féassé, dans le département d'Abengourou, le président de l'ONG Vision Nouvelle a exhorté les populations de cette localité à agir pour la protection des droits des enfants. Il les a invités à refuser les règlements à l'amiable dans les cas de violence dont sont victimes les enfants. Yao Kwaku a plaidé pour l'instauration de l'éducation sexuelle dans le programme scolaire en Côte d'Ivoire depuis la maternelle jusqu'au secondaire. La représentante du bureau Save Children d'Abengourou, Amélie Dibeu, la directrice régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Thérèse Collédier, et la représentante de la ministre Anne Ouloto ont déploré les cas de grossesse en milieu scolaire. Elles ont demandé aux hommes et aux femmes de Yakassé-Féassé de faire en sorte que leurs enfants puissent jouir de tous les droits que leur confère la Convention internationale des droits de l'enfant, instituée en 1989. Il s'agit entre autres du droit à la protection, du droit à l'éducation, du droit à la santé et du droit au développement harmonieux. Le sous-préfet de Yakassé-Féassé, Jean-Marie Poho, a salué l'initiative de l'ONG Vision Nouvelle et invité ses administrés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants. Et un des droits fondamentaux de l'enfant, le droit à la santé. Une campagne de vaccination a été initiée à leur intention à Boisflay dans la région de la Maraoué. Sont concernés tous les enfants âgés de 6 mois à 9 ans. Honorine Anigori. Cette campagne de vaccination contre la rougeole est gratuite. Elle vise environ 137 000 enfants du district sanitaire de Boisflay, âgés de 6 à 9 ans.
La secrétaire générale de la préfecture de Boisflay, Hortense Akawalemé, a reconnu le caractère très contagieux de la maladie qui peut affecter en un temps record une famille entière. Elle a à cette occasion invité les femmes présentes à sensibiliser leurs sœurs afin que celles-ci se déplacent à leur tour pour faire vacciner leurs enfants. Quant au directeur régional de la santé et de la lutte contre le sida, Kwadio Nzue, il a reconnu les conséquences néfastes de la rougeole dans les familles et a salué l'action de l'État de Côte d'Ivoire d'éradiquer cette pandémie. Kwadio Nzue a invité la population à se mobiliser en fréquentant les différents sites installés dans les quartiers de la commune de Boisflay. Il a souhaité que cette campagne atteigne un taux de 100%. Rappelons que la campagne de vaccination contre la rougeole de 2014 intervient après celle de 2005 et 2009. En 2014, 4 cas suspects de rougeole ont été enregistrés dans le district sanitaire de Boisflay. Les routes de Tiémélékro dans l'est du pays sont en cours de réhabilitation. Le tronçon Sougassou-Niamienko, long de 54 km, va être entièrement remis à neuf. Eugène Atoubé. La route Sougassou-Niamienko dans la sous-préfecture de Tiémélékro sera réhabilitée. Le tronçon reliant ces deux localités est long de 54 km. 218 millions de francs CFA, c'est ce que va coûter cette réhabilitation, financée par Ngueta Kamana, député de Tiémélékro Nomamba et fils de la région. Le donateur a signifié que la réhabilitation de l'axe Sougassou-Niamienko permettra le déplacement des populations, facilitera l'acheminement des productions agricoles vers Abidjan et les échanges vers les régions voisines d'Unzi et de la Nguébi-Tiassa. Le sous-préfet de Tiémélékro, représentant le préfet du département de Mbato, et Nana Angama Athanase, parlant au nom de la notabilité Agni Ali, ont salué cette action patriotique du député, action qui donnera à la population une nouvelle perspective de développement. Depuis plus de 15 ans, la route reliant Sougassou à Niamienko n'a pas connu de travaux d'entretien, ainsi que plusieurs autres routes de la sous-préfecture de Tiémélékro. 11 villages des sous-préfectures de Raviar et de Tiédiékro connectés au réseau électrique national. Le taux d'électrification dans cette région passe ainsi de 40 à 64%. Kwadio Kwame. Le Mbanka s'est en fête. C'était à l'occasion de la mise sous tension de 11 villages de la sous-préfecture de Raviar et de Tiédiékro. Une joie exprimée de vive voix par le président du comité d'organisation et le représentant du conseil régional. Une infrastructure qui permet à ce terroir d'emprunter le chemin du développement. Reconnaissance et gratitude du peuple Ngban à l'endroit du chef de l'État pour ce signe qui marque la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Dans cette région, le taux d'électrification passe de 40 à 64%. 70 villages sont en attente et ne doit pas perdre espoir, tout en saluant les efforts du gouvernement à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Pour le premier adjoint au maire de Tiédiékro, Yao François, c'est la preuve par mille que le président Alassane Ouattara mérite le soutien de tout le Mouvement pour achever l'œuvre de construction entreprise. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, 1000 villages de plus de 500 habitants seront électrifiés dans le programme ambitieux de l'électrification pour tous afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le kit branchement social comprenant le matériel et la réalisation des travaux de branchement, la fourniture et la réalisation de l'installation intérieure ne coûte donc que 1000 francs CFA. À cela s'ajoute la fourniture d'un disjoncteur et de lampes basse consommation. Pour concrétiser les promesses du chef de l'État, les villages en attente dans la sous-préfecture de Tiédiékro et de Raviar et ceux de Brobo seront connectés au réseau électrique national avant juin 2015. Parlons mode avec le basin, aujourd'hui symbole d'élégance dans de nombreux pays africains. D'où vient cette étoffe et à quelle occasion portait-on le basin autrefois? Eric Goré s'est intéressé au sujet.
Avec ses couleurs vives et ses dessins brodés, le bassin est devenu un symbole africain. Le porter donne de l'allure et même plus. C'est un habit qui est bon. C'est joli, donc quand il porte au niveau d'Afrique, mais on te respecte beaucoup. La confection du bassin prend plusieurs étapes. Le tissu blanc provient de l'Allemagne, la Suisse ou même la Chine. Il est coloré, séché et finalement frappé pour lui donner sa clarté. Mais derrière tout cela, il y a la création. Je m'inspire par rapport à la nature, le climat. Parce que la nature, j'inspire beaucoup sur la nature. Parce que la nature, c'est des fleurs, c'est des couleurs. Ça me permet de récupérer certains motifs, certaines couleurs. Et c'est de confection sur le bassin. Et son impact commence à se sentir au-delà de l'Afrique. La culture africaine est en train d'évoluer. Parce que tellement à la scène mondiale, on voit même les grandes chanteuses mondiales, ils se portent les vêtements africains. Donc ça veut dire que la mode africaine est en train de prendre un grand, très très grand pas. Mais notre problème aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas suivi et puis on n'a pas été guidé. Avec une telle beauté et créativité, il est certain que les plus beaux jours du bassin sont devant lui. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci d'être resté avec nous. Excellent après-midi sur RTI 1.